Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tranquille. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. À l'heure où vous voyez la vidéo, vous la verrez dimanche, moi on est mardi. Donc merci. Donc là on va aller tranquille. Ouais, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. J'espère que vous avez réussi à avoir des emplois du temps plutôt cool. Et que vous avez des potes à vous dans vos classes. Sinon, force à vous. Pour les gens qui rentrent en terminale comme moi, et bah grosse force. Pour le bac les gars, on est ensemble. Et pour les autres, et bah pour ceux qui sont en bac de français ou brevet ou je ne sais quoi, courage aussi à vous. Puis petite année, dernière année de lycée quoi. Bon les gars, je suis content, j'ai vu que la dernière vidéo la semaine dernière elle vous a plu, j'ai eu des bons retours sur la vidéo donc c'est cool, j'ai vu que la POV elle vous plaisait pas mal, elle est plan wing, il rendait bien. Bon du coup là comme vous le voyez, bah, la moto elle a un peu changé de couleur, là on est sur des tons blancs. C'est en attendant une nouvelle couleur encore, c'est temporaire celle-là. Donc bon voilà. C'est bon, je vous montrerai peut-être la moto tout à l'heure. Mais ça va, ça change en vrai, c'est pas moche. Bon, ça va être le retour là du réveil à 6h45. Ça c'est pas marrant. C'est pas marrant du tout. Ça y est, les vacances c'est fini, les sorties moto c'est fini. Enfin c'est fini, on s'entend, hein, les week-ends il y aura toujours. Même si j'espère qu'il fera beau parce que les vacances elles étaient plutôt pourries. Du coup j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Vous êtes parti un peu en voyage et tout. Bon, si c'est le cas, vous pouvez mettre en commentaire, hein, ça nous fera voyager comme ça, on sera content. Ah, la moto elle est froide là, elle kiffe pas trop les températures matinales comme ça. Bah les gars, premier accident qu'on a fait y avoir, c'est cool. Et je crois qu'on est sur une réserve en plus. Voilà, parfait. Là, il faut regarder, hein. Bah ouais, mais bon. Que veux-tu si les gens ne regardent pas? Ça fera un bon titre de vidéo, ça. Je me fais percuter en allant au lycée. Ouais. Putain, par contre, je crois que je suis en réserve. Fais chier. J'ai pas pris mon bidon d'huile avec moi. Voilà, maintenant faut faire attention sur les routes parce que, bon, bah, déjà, s'il y a des gens qui regardent pas. Avant de tourner, on est mal parti. Puis là, comme il y a full voiture et tout, on va essayer de faire attention. Ça peut être pas mal. La police, toujours un plaisir de les voir ceux-là. Bah, ce qui m'emmerde c'est que si je tombe en réserve, j'ai pas mon huile avec moi. J'ai pas été très smart sur ce coup là, il faut l'avouer. 49, bon ça va, moi je reprends à 8h10 tranquillou bilou. Il y a du monde sur la route. Oh la vache! Ah oui, effectivement. Il y a du monde sur la route. Oh, ça va être le bordel, je sens. Bon, j'espère que j'aurai un emploi du temps cool. Flemme de finir à 18h. Oh, ok, la RS6.
Pas mal. J'avoue qu'elle a son petit charme. En violette là comme ça. Elle est belle. Bon, j'ai un peu le seum parce que c'est ligne droite en wing, elle est pas mal. Mais bon, ça va être un peu compliqué là. Je vous fais pas un dessin pourquoi. Ça règle toujours, on est bon. Aïe aïe aïe, il y a du monde. Aïe oh, le booster de compète là-bas. Pardon. Oh, mais c'est qu'il y a un collègue en 125. Ah, oh. Béquille mort. C'est bon. Okay. Non mais le compteur il se balade. Et les gars, n'oubliez pas Enzo Air Cut. Bon, on verra si Erwan il cut ça la vidéo ou pas. Big Shay. Erwan, cut pas. Laisse tout là. Vous verrez, hier y a une meuf, elle a fait me rentrer dedans et c'est dans la caméra. Ouais. Bon, allez, vas-y. Ok, bon, les gars. J'espère que ça va. Là, on est le lendemain de. Au moment où moi je tourne la vidéo, on est le lendemain du début de la vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passé. Que vos emplois du temps du coup sont cool. Bah, moi le mien il pue un peu la merde en vrai. Je finis souvent à 18h. Bah, souvent même 3 fois j'ai envie de dire. Donc c'est un peu chiant. Faire attention du coup, parce que comme on a déjà failli se faire shooter hier pour moi et tout à l'heure pour vous. Ouais, donc là du coup c'était une petite fin, petite vidéo chill en vrai, on a fait la rentrée tranquille. Donc bon, c'est pas la vidéo, il se passe le plus de trucs. Surtout que là en ce moment les flics ils sont un peu à fond là dans la ville. Donc on verra aussi peut-être pour tourner une vidéo avec Evan. On fera une. Peut-être une vidéo où on roulera tous les deux. Bon après comme Evan il est en MT, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça donnera. J'ai vu qu'il y a un gars dans les commentaires de la dernière vidéo qui m'a demandé si j'avais la transmise d'origine de la moto. Et pour lui répondre, parce que j'ai pas répondu en commentaire, je suis en 1445. Donc non, c'est pas la transmission d'origine, parce que la transmission d'origine elle tire beaucoup trop court. Enfin pour moi en tout cas, Sacha il a la transmission d'origine sur sa moto, mais bon je trouve que ça tire beaucoup trop court. Dès que tu veux faire un peu de route et tout, c'est un peu chiant. Enfin c'est pas agréable à conduire quoi, donc. Ah oui, c'est vrai, c'est la sortie des cours aussi ici. Et au départ moi j'avais une transmission très très longue. Bah en fait j'avais un pignon de 16, non 15, j'étais en 15-42, donc j'étais très très long comme transmis. Donc pour rouler tous les jours c'était plutôt chill en vrai. Mais bon après pour commencer à lever et tout ça devenait un peu embêtant. Bon, j'allais dire les règles de priorité sont pas respectées, mais bon. Comme on fait des roues arrière, on peut pas trop parler. Bon, les gars, je pense qu'on va se laisser là. Parce que bon, là, de toute façon, après, il va plus y avoir grand chose d'intéressant. C'est les bouchons là, donc le temps de rentrer.
tant que je rentre chez moi, il va rien se passer. Donc bon, j'espère que cette petite vidéo là où on va à la rentrée tranquille, elle vous aura plu. Bon, il s'est rien passé de fou à part qu'on essaie de me rentrer dedans. Mais sinon, je vous souhaite à tous une bonne année. Et puis bah, pour ceux qui ont des examens, bon courage. Et puis voilà quoi. Allez, à la prochaine les gars.